Thank you.
Je prends pour lui.
Pour l'instant, sur la phase aller, on est sur un sans faute, donc c'était l'objectif principal. C'était de ne pas perdre et de match nul. Donc c'est, franchement, on est vraiment très très satisfait de notre moitié de saison. Maintenant, il reste toute la phase retour avec la Guérinière, je pense, dans 2 semaines. Là, on repart à Douvres la semaine prochaine. Donc à nous de faire le taf et de repartir en avant et de faire, remettre le moteur à neuf pour la deuxième partie de saison. Et puis pour repartir avec notre objectif principal, c'est d'aller au barrage et puis de ne pas perdre et de ne pas concéder le match nul. Sarah, c'est une équipe qu'on a rencontrée l'année dernière, parce qu'on était en Ligue 2 et elle en DH. C'est une équipe qui a de belles individualités. Aujourd'hui, c'est une équipe qui est montée en Ligue 2, avec des bons joueurs qui sont techniques et pas mal de joueurs qui sont forts physiquement. Je me rappelle que l'année dernière, on les avait battus 4-3, on perdait 3-0 au bout de 5 minutes de jeu, donc c'était vraiment un match très très difficile. On se rappelle encore leur phase de jeu, c'était une belle équipe. Là, on a la chance de recevoir chez nous en 16e de finale une Ligue 2, donc franchement, c'est une belle fête. On aura un public qui va être... une salle qui va être remplie et puis on va bosser, on a encore des séances d'entraînement, on a encore des matchs à travailler pour bien être prêt pour ce match. Et franchement, que la fête soit positive, c'est pour ça qu'on va, on va bosser pour bien préparer ce match-là et passer ce tour-là. Ah, une belle équipe de Douvres en face, on a eu du mal à rentrer dedans. C'est une équipe quand même qui joue bien au ballon, ça fait un petit moment qu'ils sont en DH. Mais bon, après, je pense que la hiérarchie a été respectée. Le but du jeu, c'est de gagner. On a fait ce qu'il fallait faire. Donc là, ouais, tu te sens bien avec Hérouville. Donc, bon, entre lui et moi, ça se passe super bien. Donc en ce moment, c'est moi qui est en forme. Donc dans le futsal, c'est le meilleur qui joue. Après, j'ai eu au début de saison, il est un peu mou. Il était meilleur que moi. C'était jouer, c'est normal. En ce moment, c'est moi qui est dedans, donc je donne tout ce que je peux. Au jour où ça ne va pas, lui prendra la relève directement et je ne m'inquiète pas pour ça. D'accord. Bon, déjà, on a la chance de recevoir, c'est un grand plaisir. Ça fait un petit moment quand même qu'on voulait recevoir, on ne reçoit jamais, c'est la première année qu'on va recevoir. Donc ça va être une belle fête pour Hérouville, pour la Ligue de Basse-Normandie, pour tout le monde, ceux qui veulent connaître un peu le futsal de la Basse-Normandie. Et j'espère qu'on va gagner. On les a battus les dernières, donc il faut recréer l'exploit et passer pour aller en 8e et aller le plus loin possible dans la coupe. Ah, continuez les gars, c'est bien, faites vivre le futsal et continuez comme ça, c'est super. Merci. On a su un peu revenir sur leur domination. En deuxième mi-temps, un but, deux buts, c'est parti, la machine est lancée. Dans ce moment-là, contre Rovic, je pense qu'il ne faut que subir. Ils ont la chance de pouvoir arriver à l'équipe et de pouvoir monter cette année pour faire les barrages. L'an dernier, vous avez joué les premiers. Pas mal de monde. Là, cette année, pareil, en début d'année, il y a eu quelques joueurs qui ont arrêté, donc il fallait remodeler tout ça. La B a été radiée, donc spécialement de place pour les gymnases, de s'entraîner, on ne s'entraîne même pas, donc c'est un peu pénible. Dans l'ensemble, on essaye de jouer ensemble, et une bande de potes qui jouent ensemble. D'accord, donc là... Prendre du plaisir, on sait qu'on joue encore à Hérouville, encore 2 ou 3 fois de suite. Aujourd'hui, la semaine prochaine est dans 15 jours. Donc, un objectif, moi j'irai non, prendre du plaisir et on verra bien sur un match, on est capable de tout.